Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur N'en pas un. De ces vidéos, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner et activer la cloche. Et ce que nous allons voir même dans cette vidéo, ça va vraiment vous surprendre. Et c'est pourtant ce qui se passe en secret dans notre monde. C'est la deuxième partie. Mes frères et sœurs, vous devez être prêts. Il est possible que dans cette vidéo, vous entendiez des choses qui sont capables de vous choquer. Mais soyez forts. Ce sont des découvertes, des choses que les gens ont découvertes. Vous serez même surpris. Suivez-nous. Allons au studio, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, il y a des personnes qui veulent nous dominer, qui veulent nous gouverner. Et ces gens-là sont animés d'une mauvaise pensée ou encore d'un mauvais esprit. Regardez-moi ça. Que se passe-t-il ici, mes frères et sœurs? Les gens veulent nous contrôler. Pour bien s'établir parmi nous, ils veulent vraiment nous contrôler. Et ils utiliseront les méthodes les plus simples, voire même sophistiquées, pour pouvoir parvenir à leur fin. Et ils ont décidé même d'utiliser les instruments que nous avons tous chez nous, comme les téléphones et plein d'autres choses. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous allons découvrir ici va nous amener dans une autre dimension. Mes frères et sœurs, écoutez ça. Lors de mes recherches, je suis tombé sur des preuves convaincantes, laissant à penser qu'ils planifient, entre autres, d'éliminer la majorité de la population mondiale. Qui planifie l'élimination de la population mondiale? Mes frères et sœurs, il y a un truc qui se passe. Écoutez bien. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut se dire qu'il serait plus facile pour eux de mener à bien leur quête du contrôle absolu s'ils avaient moins de personnes à gérer. Où est-ce qu'on entendait ça? Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mes frères et sœurs, ce que nous allons même découvrir ici, ça va même vous étonner, même plus vous étonner Merci qu'étonner. de votre confiance. Mes frères et sœurs, il y a une société secrète qui travaille dans l'ombre contre les humains. Écoutez ça. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans le culte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable: prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Quoi? Une domination totale des peuples? Donc les gens veulent nous dominer. Qui veut nous dominer au juste? Est-ce vraiment des humains ou des entités démoniaques? Moi, je préfère dire, c'est le diable. Le diable veut dominer le monde. Pour cela, il s'est choisi des gens pour les établir dans un endroit bien spécifique, afin que ces gens-là puissent mener à bien cette mission de contrôle mondial et de domination mondiale. Et il y a d'autres choses encore qui seront révélées. Écoutez ça. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du haschich, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une guerre qui a été se produire. Et des choses sont en train de se passer là. Et ce sont les chrétiens qui seront visés en particulier. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Ça veut dire que
cette idée-là est une idée qui vient directement du diable. Et c'est le diable qui est derrière tout ça. Vous avez entendu ça? Même les non-chrétiens comprennent ça. Et ils savent directement qu'aujourd'hui, le problème du monde, c'est le diable. Et tous les ces sorciers. Mais écoutez. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les cinq grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. Donc, vous comprenez que finalement, la domination totale du monde, c'est une chose qui vient du monde des ténèbres. Et c'est ça, le diable veut contrôler les humains. Le diable veut savoir ce que vous faites, tout ce que vous faites. C'est pourquoi il va commencer à créer les réseaux sociaux, vous pensez que c'est là juste pour vous amuser. Oh, en réalité, c'était créé en fait juste pour vous contrôler. Mais vous pensez que ça vous fait du bien d'abord. Et c'est ce qu'il vous présente. Il présente cela comme une chose qui va vous faire du bien. Mais en dessous, il y a un truc ténébreux que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Mais écoutez ça, vous allez voir les plans. Le plan sera mis en avant ici, révélé, sera révélé, mis à nu. Vous serez même surpris. 1. La corruption par l'argent et par le sexe. Numéro 1. La corruption par l'argent et par le sexe. Sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. Ça veut dire que des situations terribles vont se mettre sur pied, au point où les gens eux-mêmes vont commencer à souhaiter que cette idée qui vient du diable se mette en place, se mette sur pied, croyant que c'est la solution. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'état militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça, ce n'est pas fait pour nous arranger. Ça, ce n'est pas fait pour nous faire plaisir. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Ce sont des informations qui sont en train d'être données et qui sont vraiment terribles. Les gens disent que ce sont des histoires et que tout ça c'est de la blague. Mais nous savons tous aujourd'hui qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Nous savons tous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et nous devons croire. Nous devons croire à tout ça. Il y a des choses terribles qui se passent. Même vous allez voir encore un truc qui va même vous choquer ici. Regardez d'abord ça. Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bien. Ah, c'est pourquoi c'est une idée de droite? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. La majeure partie de ce qui est nécessaire pour mettre en place un état policier est en fait déjà en place. Aujourd'hui aux États-Unis, n'importe qui peut se retrouver emprisonné sans avertissement et sans bonne raison. On peut être kidnappé, torturé et assassiné légalement si le gouvernement décide que l'on représente une menace à ses projets. Tout ce qu'ils ont à faire est de nous désigner comme suspects dans leur pseudo-guerre contre le terrorisme. Nous sommes de plus en plus surveillés. En 2010, il y avait 30 millions de caméras de surveillance répertoriées rien qu'aux États-Unis. Rien qu'aux États-Unis en 2010, il y avait plus de 30 millions de caméras répertoriées. Ça, c'est pourquoi? C'est pour nous contrôler.
Pour pouvoir bien travailler chez nous, le diable a décidé de nous contrôler d'abord. Contrôler ce que nous faisons, ce que nous disons. Même en esprit, les gens sont contrôlés. Tout ce que vous dites dans vos pensées, ça, les gens entendent ça. Contrôle mental, contrôle de l'esprit. À partir même de vos appareils, vos portables, regardez, on vous contrôle. Tout le monde est contrôlé. Tous ces éléments, ça veut dire que tout ce qu'on nous présente comme nouvelle technologie, apparemment, ça nous arrange en partie, mais la plupart du temps, ceux qui en bénéficient, ce sont ceux-là même qui sont tapis dans l'ombre, qui sont cachés dans l'ombre, que vous ne pouvez pas voir facilement. Sinon, quand des révélations comme ce que nous sommes en train de vous donner même ici, ils apparaissent devant vous. Regardez, ils sont cachés, tapis dans l'ombre comme ça. Et personne ne sait ce qui se passe. Vous ne saurez même pas que là, ce sont eux qui sont en train de faire le travail. Mais il y a un truc qui se passe. Mes frères et sœurs, écoutez ça. Il y a vraiment quelque chose. Et nous devons découvrir ce que nous devons découvrir aujourd'hui. Écoutez ça. Regardez les caméras. Plus de 30 millions de caméras répertoriées rien qu'aux États-Unis en 2010. Ça promet. Lorsque nous manifestons, nous sommes désormais relégués dans les zones appelées, et c'est un euphémisme, zone de liberté de parole. Quelle zone? Pour la liberté de parole? Chaque coup de téléphone que nous passons et chaque email que nous envoyons est répertorié et archivé et peut être inspecté à tout moment. Mais savez-vous? Nos permis de conduire et nos passeports sont équipés de puces informatiques qu'on a implantées à l'intérieur afin de tracer chacun de nos mouvements. Désormais, les patients des hôpitaux se voient implanter les mêmes puces sous la peau. En fait, c'est Procter & Gamble qui a initialement développé ces puces dans le but de tracer ses produits. On le présente toujours comme un moyen d'aider. Mais même un directeur assistant de la CIA a admis qu'il s'agissait aussi d'une porte ouvrant vers l'implantation de puces sur nous tous pour un meilleur traçage et un meilleur contrôle. Ces contrôleurs aspirants, via les US Space Command, ont mis en place les grandes lignes d'un plan intitulé « Domination totale, tous azimuts ». Une surveillance satellite sophistiquée ainsi qu'une énergie dirigée et des armes laser d'ores et déjà développées ont la capacité de cibler les dissidents partout sur la Terre. Je crois qu'ils tentent également de s'assurer qu'ils pourront agir de manière efficace sans résistance. Des camps de confinement de l'Agence fédérale des situations d'urgence, FIMA, ainsi que des wagons pourvus de menottes ont été récemment construits ou rénovés à travers tous les États-Unis pour ce que les fonctionnaires officiels nomment les périodes de troubles pandémiques ou civils. Il existe une autre prise de conscience encore plus brutale à propos du programme de domination mondiale que je souhaite partager. Mes frères et sœurs, écoutez très bien ça. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, mais en l'ignorant, cette enquête serait dangereusement incomplète et nos stratégies de solution manqueraient d'informations. Lors de mes recherches, je suis tombé sur des preuves convaincantes laissant à penser qu'ils planifient, entre autres, d'éliminer la majorité de la population mondiale. Donc les programmes de contrôle, en fait, la finition, c'est de nous éliminer, de nous tuer. C'est ça. Et c'est exactement ça. Quand un sorcier contrôle quelqu'un, il veut bloquer cette personne dans toutes les dimensions. Et finalement, il cherchera à tuer la personne. Et c'est le même esprit qui est en train de travailler juste comme ça. C'est le même. Faites attention. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut se dire qu'il serait plus facile pour eux de mener à bien leur quête du contrôle absolu s'ils avaient moins de personnes à gérer. À chaque fois que j'ai pensé, ils ne feraient pas ça, j'ai découvert que j'avais tort. Il dit que lui-même, il ne pouvait pas vraiment croire à ce genre de théorie. Il a cru que c'était de la blague, mais finalement, il est tenté de découvrir qu'il y a un truc et ça devient de plus en plus réel. Écoutez bien ça encore. Leur quête du contrôle absolu, s'ils avaient moins de personnes à gérer. À chaque fois que j'ai pensé, ils ne feraient pas ça. J'ai découvert que j'avais tort.
J'ai découvert des informations effrayantes, révélant que l'eugénisme est l'un des piliers de leur plan. L'eugénisme se définit comme la pratique par laquelle des personnes décident qui vaut la peine de vivre et qui n'en vaut pas la peine. L'un des moyens insidieux de la mise en place de ce plan secret est la stérilisation. En 1904, les Carnegie ont financé le premier laboratoire d'eugénisme à Cold Spring Harbor, Long Island. Les Rockefeller ont financé des programmes eugéniques visant à une stérilisation forcée des personnes de couleur et ont financé l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne pour faire avancer le programme de suprématie raciale adopté plus tard par Hitler. En 2007, le département de l'agriculture et le département de la sécurité intérieure des États-Unis ont financé un projet envisageant la pulvérisation aérienne au-dessus des zones urbaines de la Californie du Nord, regroupant plus de 7 millions d'habitants. Après que les citoyens se sont organisés contre ce plan, les fonctionnaires du gouvernement ont été forcés de révéler que le produit à pulvériser contenait de multiples toxines qui pouvaient causer des maladies et perturber le cycle reproductif. Vous entendez ça ? Eh bien, j'hallucine ou quoi ? Les gens se sont levés et ils ont été obligés de tout cracher. Mon Dieu. Heureusement, la résistance civile a stoppé ce projet. Le gouvernement américain a été surpris plus de 30 fois en train d'expérimenter secrètement des substances chimiques toxiques sur ses propres citoyens. Qu'il s'agisse de soldats, de prisonniers, d'Américains natifs dans les réserves ou de villes et de comtés entiers. La stérilisation secrète en masse des femmes et des jeunes filles, en général à l'aide d'additifs aux vaccins, a été révélée au Brésil, à Porto Rico, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Ces actions ont été conduites sous les auspices de programmes tels que le Population Council de John D. Rockefeller, le département de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale des États-Unis, dont Nelson Rockefeller était le sous-secrétaire, et l'Organisation mondiale de la santé créée par Rockefeller et Syngenta, en coopération avec le département de l'agriculture et le département de la défense des États-Unis, ont testé sur le terrain une souche spermicide de maïs génétiquement modifié qui rendrait les consommateurs masculins stériles. Le saviez-vous, ma frère et soeur ? Nous découvrons des choses terribles ici. Waouh ! Cela a été annoncé de façon discrète comme étant une contribution au problème de la surpopulation mondiale. Et la liste ne s'arrête pas là. En ce moment, la fertilité humaine sur le plan mondial est en fort déclin. Je suis convaincu que ce n'est pas un accident. Ma volonté d'envisager et d'effectuer des recherches sur un programme de dépopulation directe a constitué une étape critique dans la représentation que je me fais de ce système, mais également pour apporter des réponses à la hauteur du défi auquel nous faisons face. Mes frères et sœurs, ce qu'il a découvert sur nous fait vraiment peur. Toutes ces informations sont graves. C'est à ça que ressemble le dépeuplement aujourd'hui. Je suis convaincu que je n'exagère pas la situation. Se pourrait-il que j'ai tort ? Peut-être. Mais si ce n'était pas le cas ? Le croyez-vous ? C'est une histoire incroyable qui s'est déroulée au début des années 50 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants avaient été pris de folie. 5 d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Donc vous pouvez lire, et je vous conseille de lire, La guerre secrète contre les peuples, préfacée par Pierre Hillard de Claire Sévrac. Et notamment pour tous les gens qui me disent que je ne parle jamais des chemtrails. Hein, voilà. Est traité sérieusement dans ce livre la question effectivement très inquiétante des chemtrails, mais aussi la question du projet ARP, la question effectivement de la guerre météorologique. Mais quand on reprend justement les écrits de Zbigniew, etc., il dit bien que la modification climatique et agir sur le climat, c'est l'arme absolue du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que ça permet, il le dit, il y a la phrase exacte, que ça permet au gouvernement de faire, au nouvel ordre mondial, de faire du chantage et de la pression sur les gouvernements qui ne voudraient pas obéir à quelque chose. C'est-à-dire, si on vous déclenche une petite tempête qui met la moitié du pays à genoux, il est évident que le gouvernement est beaucoup plus docile après. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Les gens sont en train de faire des recherches pour pouvoir provoquer des tempêtes, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Et ils travaillent en collaboration des démons, même du diable qui les aide.
de sorte que tous les pays qui essaieront de s'opposer à leur mouvement, ils soient frappés par des tempêtes, manipulés ou contrôlés par d'autres, par ces gars-là. Et eux aussi, ils auront peur. Mais mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. C'est le moment de s'accrocher à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas arrêter? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas arrêter? C'est quelle tempête qui peut nous empêcher d'avancer, même si ça arrivait. Le Seigneur sera là pour nous protéger. C'est en ce moment-là, la paix, si notre persévérance dans le Seigneur portera ses fruits. Tout ce que vous venez d'entendre, ça peut vous paraître inadmissible. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, mes frères et sœurs. Il y a une chose qui se passe. Et quand une nouvelle technologie apparaît, faites attention. Si ça vous aide, c'est que derrière, il y a quelque chose qui va vous mordre. Vous devez détecter quelle est cette chose-là avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous maintenant, tuez la cloche, ne manquez pas la prochaine vidéo. Vous serez même surpris. Qu'est-ce que nous avons découvert hier même qui pourrait vous étonner? Regardez cette vidéo qui apparaîtra ici et découvrez avec étonnement tout ce qui se passe en secret. Pour le son de vos bras, pour la prochaine vidéo aussi, nous travaillons dur. Rien que pour vous offrir des choses, nous vont vous sauver la vie, même vous protéger, y compris nos enfants, pour le son de vous. N'y en pas.